L'invisibilisation des femmes, c'est le fait que les vécus des femmes, les paroles des femmes, les pensées des femmes, le travail des femmes soient globalement occultés, silenciés dans l'espace public. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes ? Le premier lieu où l'invisibilisation des femmes m'a frappée, c'est les médias. Et un beau jour, je suis tombée sur ce chiffre qui est issu d'une étude qui s'appelle le Global Monitoring Project. Le chiffre est le suivant, les voix des femmes sur une journée entière de médias, tous médias confondus, ne représentent que 24% du temps médiatique. 24%. Les femmes dans les médias, généralement, quand elles interviennent, elles sont victimes ou témoins. Quand on va, par exemple, regarder le nombre de femmes expertes, parmi les experts, on n'est plus qu'à 13%. Autre chose qui est très important à souligner, c'est que quand les femmes apparaissent dans les médias, c'est toujours la même femme. C'est une femme blanche, une femme hétérosexuelle, une femme d'un milieu plutôt aisé, une femme qui généralement n'est pas porteuse de handicap. Et finalement, plus on va dans la discrimination, plus on cumule finalement de critères discriminants, moins on a de chances de se voir représentée dans les médias. Et ensuite, en tirant le fil, je me suis rendu compte que cette invisibilisation médiatique, on la retrouvait en fait dans la plupart des champs de production, de connaissances et de pensée. On va la retrouver dans l'art, on va la retrouver dans la politique, dans la littérature, dans la recherche, la science et dans l'histoire. Quand on prend le musée d'art moderne à New York, il y a 4% des artistes exposés qui sont des femmes, mais pourtant 76% des nus qui représentent des femmes. C'est intéressant de réfléchir à ça. L'invisibilisation, elle est partout autour de nous. Elle est tellement présente que finalement, on ne la voit pas. Et c'est vrai, quand on s'attarde 2 secondes sur le nom des rues, par exemple, le pourcentage de noms de rues portant un nom de femme, c'est 2%. C'est quand même délirant. Il n'y a pas que 2% de femmes qui ont marqué l'histoire de la pensée ou l'histoire politique d'une nation ou d'une ville. Il y a des mécanismes qui ont été mis à jour, qu'on appelle le mansterrupting ou le mansplaining. Le mansterrupting, c'est le fait de venir interrompre systématiquement la parole des femmes. Nous créons également... Oh, mais écoutez les réponses, c'est des sujets importants. Taisez-vous et écoutez pour une fois. Je réponds à ce que vous êtes en train de dire. Le mansplaining, c'est aussi, j'adore et je le subis beaucoup, ce sont des hommes qui viennent expliquer à des femmes des choses dont elles sont expertes. C'est quoi que tu veux dire? Tu veux expliquer quoi? Alors je vais te dire. Mais moi je vais te le dire, qu'est-ce que tu veux expliquer? Une femme va prendre la parole pour exprimer une pensée ou un travail accompli et on va lui répondre en lui parlant de son apparence ou des vêtements qu'elle porte. Ça passe aussi par ces mécanismes-là. Vous me permettrez, Madame la Ministre, de vous féliciter pour le choix de la couleur de votre tailleur. Le vert vous va effectivement à merveille. Le débat sur la PMA qui est en train de se faire sans les lesbiennes, c'est quand même délirant. Enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable en fait. On est en train de débattre sur le fait d'ouvrir la PMA aux couples de femmes et la plupart du temps, qu'il s'agisse de réunions politiques ou de plateaux de télé, ce sont des discussions qui ont lieu sans les lesbiennes, qui sont les premières concernées. Là, on est dans l'invisibilisation pure et dure. Finalement, les femmes sont invisibilisées, silenciées, partout où on produit de la parole et où on produit l'inconscient collectif de la société. Et il ne peut pas y avoir de société juste si toutes les représentations collectives inconscientes qu'on a sont faites en oubliant la moitié de l'humanité.